Bon, est-ce que je suis vraiment obligé de vous dire où est-ce qu'on est? Depuis le temps que ce nounours, vous le voyez dans les vidéos. Bah évidemment, on est chez Oris. Mais il y a une nouvelle star chez Oris. Et là, on va aller la découvrir. Venez. Alors, comme on vous l'a annoncé, près du nounours, chez Oris, cette fois-ci, eh ben, il y a une autre marionnette, une autre star, une autre... Une autre star, surtout un ami de la marque. Un ami de la marque. Kermit n'est pas une marionnette. Kermit est un être vivant. Kermit. Alors là, il n'est pas là. Bon. Il se repose. Hein, il est là. Hein, parce que vous vous demandiez pourquoi. Vous vous demandiez pourquoi il y avait ça là. Hein. Je sais que vous vous demandiez pourquoi il y avait ça. Et ben voilà, vous avez compris. Il y a Kermit. Alors, une Kermit. Kermit la grenouille. Chez Oris. Vraiment, vous ne faites jamais comme les autres. Hein. Non, pourquoi faire comme les autres? Voilà pourquoi c'est donné, sympa. Il faut suivre son elle bon chemin. Elle est là, elle est sous le gant. Et Vincent va nous la présenter. Donc, attention, oula hoop. I gotta make time for me. Find your me time. Qu'est-ce que c'est que cette couleur de cadran? On est donc sur un verre. Génial. Sur un verre Kermit, avec donc un verre très spécifique. Mais c'est surtout qu'on retrouve Kermit dans le guichet date. Ah, d'accord. Le premier de chaque mois. Et le Réo est d'un autre verre en plus. Le Réo est d'un autre verre. Ça, c'est une question de l'idée des designers pour avoir un verre qui est très changeant, très, qui prend beaucoup la lumière, qui est très intéressant. Et donc Kermit dans le guichet dateur, le premier de chaque mois, le Kermit Day, le jour de Kermit. Le jour de Kermit, tu dois penser à toi. Tu dois trouver ton moment personnel. Find your me time, c'est le slogan pour Oris de Kermit. Donc ça veut dire que tous les 1, on ne travaille pas, on va au golf. Par exemple. On va faire de la voile. On peut travailler si c'est un plaisir. Toi, je sais que oui, donc tu seras au boulot. Exactement. Voilà. Moi aussi. Ah, et donc voilà, c'est ça l'idée du Kermit. Oh, dis donc, elle est d'une grande légèreté. C'est du titane. Donc on est sur un modèle ProPilot X, une grande nouveauté de l'année dernière, de Watches and Wonders 2022. Cette année, la ProPilot X vient et le modèle qui accueille Kermit. Et, ou alors c'est Kermit qui a souhaité que ce soit ce modèle-là, très certainement. C'est Kermit qui a choisi. Je pense que c'est Kermit. C'est les discussions de Rolf et Kermit. Bon, ça a permis de créer ce modèle. Rolf, c'est le CEO, il est très copain avec Kermit, pour le savoir. Et donc voilà, donc l'idée de cette collaboration, c'est avant tout de se prendre Rolf, un peu moins au sérieux. Je ne résiste pas, juste pour voir. Bah ce verre, il va bien. Hein. Il va à tout. En fait, il est un peu bluffant. Il est étonnant. Et puis surtout, il change de couleur en fonction de l'angle. Exactement. Comment vous avez fait un cadran qui change de couleur en fonction de l'angle? Tu sais que chez Oris, notre grande force, c'est les cadrans. Ouais. Mais là, mais c'est marrant parce que il passe en fait du vert anis au vert pistache pour aller sur un vert pelouse un peu clair. C'est peut-être le Réo qui fait ça. C'est vraiment stupéfiant. Bon, t'en as à la boutique. J'en ai à la boutique de Saint-Germain, passez, à la boutique de Montorey. Passez voir à la boutique parce que bien évidemment. Chez tous les détaillants Oris. Vous savez, c'est comme dans les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies, bah, chez tous les bons détaillants. Non, mais c'est vraiment sympa. Série limitée ou pas? Non, c'est pas une série limitée, c'est une édition. C'est... Oh, enfin, on va avoir la possibilité pour tous de l'avoir si on la veut. Donc, c'est bien. Le calibre? Calibre 400, bien évidemment. 5 jours de réserve de marche, 10 ans de garantie, antimagnétique. Et ça, j'avais pas besoin de te l'expliquer. Calibre 400, il y a une vidéo. Il faut que je me montre, vas-y. Voilà. Voilà, regardez, il a montré l'affiche. La vidéo, évidemment, sur le calibre 400. Un méga over top calibre de chez Oris. On en a parlé très souvent et on a même fait une émission spéciale sur le calibre 400. Alors évidemment, je ne serais pas étonné de voir un petit cadran saumon, couleur peau, pour accueillir Miss Piggy, évidemment, la copine complètement déjantée de Kermit. Peut-être. Ça, pour le coup. Allez, je vais travailler au couteau. Ah, tu vas travailler au couteau, tu sais que globalement... Non, mais c'est... non, puis ça sert à rien de le dire en plus. Je suis pas dans le secret des dieux, non, bien évidemment. Si, je sais qu'il y est. Et en plus de ça, le truc qui peut être sympa, c'est que tous les ans, ils sortent un personnage, et là, vous faites une collection avec tous les personnages, et à la fin, vous avez les deux petits vieux sur le balcon, puisque, évidemment, quand sortira celle-là, on aura les cheveux blancs. Voilà, super. Bon, très belle montre. Bon, ProPilot, hein. Donc, ProPilot. Sans faute. Hein. Non, c'est un sans faute, je pense. Ouais. Mais très sympa, ça sort. Je veux dire. On sort de la zone de confort, là, on bouscule un peu les codes. C'est vraiment super, sympa.
Et toi, tu portes quoi? T'as un truc qui bouscule les codes ou pas? Ah, j'ai un truc qui bouscule les codes. Non, t'as un truc un peu plus traditionnel quand même. Ah bah tiens, alors, par rapport à ça... Oui, mais on bouscule les codes avec un nouveau mouvement de maison, le calibre 473, mouvement décliné du 400, en remontage manuel, qui est beaucoup plus décoré, qui a une réserve de marche sur le fond de boîte. Donc ça, c'est une petite particularité très horlogère, mais qui change aussi un peu des codes. Et sur un calibre mécanique, la réserve de marche est hyper importante, beaucoup plus que sur un calibre automatique. Bien évidemment. D'accord, donc vous l'avez à l'arrière. Et la platine est belle, hein? Donc là, on a nos 5 jours, 120 heures de réserve de marche. Ah, et là, il y a un bleu glacier qui est quand même vachement sympa. C'est un peu la tendance des bleus glaciers, il y en a un peu chez tout le monde. Mais comme il y a une déclinaison d'un bleu ciel à un bleu un peu plus foncé, et ben chacun trouve son bleu. Et je dois avouer que le bleu Auris est plutôt réussi. Donc, d'où il sort ce bleu? Donc, le bleu, c'est une couleur qu'on aime travailler depuis déjà un certain temps. Surtout ces bleus, entre le bleu jean, c'est les bleus, le corbusier. Oui, c'est vrai, c'est un bleu jean. C'est vrai, t'as raison. On est quasiment dans le jean bleu jean. Jean délavé, un peu. Ouais, il y a super. Un peu de ça. Et donc, c'est la livrée, en fait, de 1938. Pas sur la couleur, mais en fait, sur la définition de la montre. Cette lunette non cannelée, qui est la lunette originale de la Big Crown Pointer Date. Le pointeur date, la petite seconde et un mouvement manuel. Le date pointeur, un des piliers d'ADN de chez Auris. Chez Auris depuis 1938. Ouais. Vraiment une montre super. Qui n'a jamais quitté le catalogue depuis 1938. Quel diamètre? 38 mm. Superbe. Et le bracelet, il est en? En cuir de serre, Cervo Volante, donc cuir durable. On explique ce que c'est ou c'est pas la peine parce qu'on avait fait une émission dessus? T'as fait une émission dessus. Oui, mais on va pas remettre encore une fiche. Non, c'est un... Donc, Cervo Volante, c'est une entreprise du canton de Bâle, donc de là où l'on est, où ils récupèrent en fait la peau des cerfs sauvages. Donc en fait, ils vont contre l'élevage pour le tannage. Donc, ils récupèrent ces peaux qui sont destinées à la destruction. Donc ils essayent d'en valoriser 100%. Donc c'est-à-dire qu'on peut retrouver quelques traces sur le bracelet, mais en fait, quelque part, ça va à l'encontre du luxe traditionnel où on veut la perfection. Nous, on pense que la perfection, c'est la nature qui nous la donne. Et donc, bon, on respecte ça, tout simplement. Donc, évidemment, ce n'est pas de la chasse, c'est du tir de sélection, parce que sinon, il y aurait des populations de cerfs qui seraient trop grandes. Donc, il y a des prélèvements qui sont organisés par les autorités qui sont faits. Je pense que la viande de cerf est mangée et les peaux étaient jetées. Et dans l'esprit, évidemment, de Auris, on ne jette pas les peaux. Non, c'est depuis 2017, en fait, c'est deux personnes qui ont créé Cervo Volante, qui trouvaient ça quelque part aberrant, en fait, d'avoir des élevages pour l'usage du cuir, enfin, l'élevage d'animaux pour tanner leur peau, et alors qu'à côté, en fait, il y avait du cuir naturel, du cuir sauvage, qui ne servait à rien, qui n'était pas valorisé. Quelque part, c'est ça aussi, C'est très écologique, c'est une démarche très écologique. Ça, c'est éthique. Très éthique et très écologique aussi. Oui, bien sûr. Donc, vraiment... Bon, super. On prépare d'autres petites nouveautés. Comme on a dit, on ne présente pas tout, parce que sinon, on n'a plus rien à vous dire après. Moi, j'ai repéré là, dans la vitrine, il y a un altimètre. On reviendra dessus. T'as l'œil, hein. Je ne vous dis pas quand. Bien sûr, j'ai l'œil. Mais je n'ai pas vu Miss Peggy, mais bon, j'ai l'œil. Et merci, Vincent. Merci, Franck. Et puis, tu vas dire, évidemment, le mot traditionnel. Quand cette montre est arrêtée, elle donne l'heure exacte. Au moins 2 fois par jour. Ouais. Et on va dire, au revoir les toqués. Du TikTok. Du TikTok, je l'ai eu. Du TikTok. Ah, quand même, il a été dur. Il a été dur à avoir. Il a fallu que j'attende la fin. Merci, mon Vincent. On continue. On va ailleurs. Et ben voilà, un micro-trottoir encore dans les allées du salon Watch and Wonders 2023 avec le fils spirituel de Chabal. Bonjour. Édouard Bierry. Alors Edouard, c'est un mec un peu sympa. D'abord, il bosse avec moi depuis assez longtemps. Et en plus, il connaît bien les montres. Et surtout, il connaît hyper bien la photo. Et je l'ai mis au défi de nous faire une émission sur comment bien photographier les montres et comment bien les poster sur Instagram. Tout à fait. On va faire aussi bien avec un téléphone qu'un appareil photo, avec et sans lumière, en conditions de salon comme aujourd'hui et depuis quelques jours, ou au naturel chez vous. Donc j'espère que vous apprendrez des choses et que même Franck après pourra apprendre de sublimes photos de montres par la suite.
Ouais, ça veut dire que je fais des photos de merde, j'ai compris. Bon, et alors, Edouard, sur le salon, qu'est-ce que tu as vu de beau, là ? Alors, de très belles choses qui vont arriver bientôt, notamment chez Roger Dubuis, qui ont une concept coach extrêmement intéressante. C'est un peu comme une concept car sur le salon de l'automobile. Donc, c'est extrêmement intéressant puisque ça donne des idées pour la suite, mais également un sublime modèle squelette, je ne peux pas en dire plus, qui sortira au mois de mai, qui est extrêmement intéressant puisqu'ils reviennent un peu à l'origine de l'Excalibur. J'en dis pas plus, mais vous verrez. Il nous fait un teasing. Voilà, un petit teasing comme Franck sait très bien faire. J'ai appris des meilleurs. Donc voilà. Il y a également sur d'autres stands, Jaeger avec. Je suis fan de la Chrono Reverso, qui est extrêmement intéressante puisqu'elle allie un peu l'historique Jaeger avec un cadran extrêmement sobre, comme tu as vu, mais avec un effet waouh dès qu'on la retourne. Et j'en dis pas plus, puisque je pense que Franck va en parler mais plus que moi. Moi, je vais en dire plus, parce que sur ce chrono que j'aime beaucoup, moi, je l'aurais inversé. Ah. Et oui, puisque c'est un chrono. Donc, j'aurais mis la face chrono devant, et j'aurais mis la face chic derrière, puisque c'est la fonction chrono, c'est un chrono, donc il aurait dû avoir le chrono devant. Je suis... partagé. Je suis d'accord avec toi, mais j'aime bien le côté classicisme de Jaeger et le côté waouh ultra moderne à l'arrière. Je suis d'accord avec Franck sur ce point-là. On aurait pu faire l'inverse. Après, il y aura débat. Et là, je laisse ta communauté et les personnes qui verront cette vidéo juger sur pièce. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez une version comme Franck la propose peut-être en 2024 ou 2025, qui sait, si les développeurs de Jaeger nous écoutent, ou est-ce que vous aimez la version actuelle ? La Carrera, 60 ans de la Carrera, les trois chronos, là, les bombasses. Ah, bombasse absolue, avec un petit coup de cœur pour moi, pour la version noire, date à midi, mais voilà. Merci Edouard, et n'oubliez pas, on va faire une émission, vous allez savoir comment on peut faire les plus belles photos de montres pour poster sur vos réseaux. Restez connectés. Rendez-vous habituel à Watch and Wonders. Vous êtes maintenant feu le célèbre Simon Templar, le saint. L'interview de Benjamin Comard, le CEO de Piaget. Il nous attend. Il va nous montrer, je crois, un QP exceptionnel. J'en dis pas plus. Je vais le laisser parler. On y va. Bon, alors voilà, évidemment, le stand dont tout le monde parle. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde ne parle que de Piaget. Évidemment, Benjamin Comard, le CEO, que vous connaissez de l'année dernière. Absolument. Bonjour, Franck. Ça va ? Oui, tu me réserves toujours des petites surprises, donc j'aime bien te dire c'est toi. Ouais, on vient en confiance, en amitié. C'est sympa. En famille. Piaget, c'est la society, c'est la famille. Voilà. Et en plus, je viens de voir en bas, Monsieur Piaget en personne, qui faisait le tour des vitrines et je voyais des étoiles dans ses yeux. Ouais, donc c'est quand même sympa. Il est très content. C'est sympa quand le créateur arrive et retrouve l'esprit de sa maison, l'esprit de sa marque. Et donc sur ça, vous avez fait fort. Mais vous n'avez pas fait fort que sur ça. Parce que je l'ai dit déjà en introduction, tout le monde ne parle que de votre QP et de la finesse. Parce que la finesse chez Piaget, c'est même pas de l'ADN. C'est de l'intraveineuse. C'est le sang qui coule dans nos veines. Voilà. Donc on va s'écarter pour voir la merveille. Voilà. On avait préparé un petit effet. Oui, pas mal fait. Ouais, pas mal. Donc c'est la QP, comme tu vois, sur la Piaget Polo. Hein. Donc l'idée là, c'est aussi une exécution en or gris avec un cadran en obsidienne. Donc on revient pour la première fois avec un cadran pierre dure, qui est vraiment la tradition et le savoir-faire de Piaget, mais très compliqué à faire sur cette pièce, qui évidemment avec les trois compteurs, un cauchemar pour trouver les pierres et la finesse et les couper. Qui plus est avec la boîte Fancoussin, qui est une boîte aussi un peu qui est compliquée. Très, très spéciale, très polo, absolument, très Piaget. Très polo, exactement. Et puis voilà, un tour saphir avec un black coating, pour la rendre très très chic et très discrète sur le bleu, sur les couleurs de Piaget bleu. Et tu disais l'ultra fin, hein, puisque regardez la finesse, franchement. Et un sertissage saphir bleu très marine. Très marine avec. Sur la lunette. On a noirci tous les grains à la main pour donner cette uniformité de couleur et ce chic qui va être bien piégé. Donc extravagant et chic à la fois. Limité ou collection ? 18 pièces. 18 pièces ? Ouais. Bah 18 pièces. Autant vous dire que celle-là, vous la regardez juste. Et si vous avez un peu de chance, vous appelez à la boutique à Paris en disant j'en veux une. Et
S'il en reste une, elle est pour vous, mais c'est peu probable. C'est en plus, il y a un bracelet qui est très sympa. Ouais, un bracelet caoutchouc, mais surtout avec un nouveau système d'interchangeabilité extrêmement simple, hein, qui va, hop, en une seconde, qui permet de changer son bracelet en alligator ou en caoutchouc. C'est un exploit parce que d'habitude, à chaque fois qu'on fait un test comme ça sur les remettre un bracelet et mettre un bracelet, ouais, ou c'est un coup de chance, ou tu t'es entraîné. Je me suis entraîné un peu avant. Mais bon, ça marche assez facilement, c'est vrai. Superbe montre, évidemment, chez Piaget. T'as quoi au poignet? Parce qu'évidemment... On est dans le bleu là, parce que vraiment c'est la couleur Piaget. On a la nouvelle Atiplano or rose, cadran bleu avec le mouvement 910P, hein, avec la masse oscillante qui tourne autour du cadran, intégrée sous le cadran. Magnifique là, on vient de la montrer aux détaillants et ils sont très très contents. Ouais. Je rappelle que dans l'univers de l'ultra plat, hein, quand même. Parce que toi, tu ne vas pas le dire parce que tu n'aimes pas frimer. Mais moi, je le dis. Dans l'univers de l'ultra-plat, évidemment, il y a le record du monde Richard Mille. Évidemment, il y a le record d'avant qui est Bulgarie. Mais Piaget Altiplano, c'est celle qui est la recordman avec deux aiguilles sur un axe. Absolument. Donc, chacun son territoire d'expression. Chacun son territoire. Nous, c'est une montre avec les étanches, avec les caractéristiques d'une montre normale. Bon, alors, on a parlé évidemment de l'Altiplano et de la montre ultra-plate. Mais il y a aussi un travail des cadrans et des cadrans d'art chez Piaget. C'est la culture, on a tout fait toutes sortes de cadrans d'art. Et là, Anita est là. Anita, tu la connais? Non. Tu connais Anita Porcher? Anita Porcher, on entend parler d'elle tout le temps. Anita, viens là, Anita. Bon, alors là, impro total, là, voilà. Donc, j'ai pas de micro-cravate pour toi. La créatrice de cadrans de métier d'art. Mets-toi au milieu de nous deux. Voilà, je vais te faire, on va faire comme ça, hein, parce que Stéphane, on n'a pas le choix là. Parfait. Anita, tout le monde ne parle que de toi. Montre tes mains de fée. Il n'y a rien, il ne faut rien montrer. Il faut montrer les montres. Faites venir une montre d'Anita, s'il vous plaît. Là, s'il vous plaît. Alors, tu vas nous expliquer. Bon, alors là, c'est vraiment un direct live. Hein. Regardez ça. La rose, magnifique. Comment tu définis ton métier? Tu es émailleuse? Tu es dessinatrice, tu es quoi? Je suis émailleuse. Émailleuse. Oui, simple. Donc là, c'est quoi? C'est du champ levé, c'est du grand feu? Alors ça, c'est du grand feu et c'est de la glyptique, en fait. L'or est sculpté et puis je viens émailler sur l'or. Ce qui est intéressant, c'est un mélange de techniques avec des pierres qui sont sculptées, de l'or sculpté, émaillé, puis encore serti au centre. Donc c'est une espèce de foisonnement qui est très Piaget, qui est floral, qui est féminin, qui a des teintes et des matières différentes. Et ben, c'est vraiment une exclusivité pour Piaget. Et on ne s'attendait pas à ça, parce que je vous signale que là, vous avez quand même une star mondiale et je ne m'attendais pas à la rencontrer. Ça me fait des petits frissons. Je suis très content de te rencontrer. Et surtout, je voudrais savoir, quand tu fais une pièce comme ça, combien de fois le cadran, tu le passes au four? Alors ça, c'est une sorte de puzzle. Donc, il y a différentes parties. Et puis, il est passé une dizaine de fois. Chaque partie est passée une dizaine de fois au minimum au four. Donc ça veut dire que pour chaque couleur, tu passes au four? Bien sûr, mais pas... j'ai différentes parties, c'est un puzzle, non? C'est donc, un puzzle, mais sur une partie, elle peut passer en tout cas 10 fois au feu. Et donc ça arrive que ça craque et que ça arrive que tu es obligé de refaire? Mais on aime ce métier parce qu'il y a plein d'imprévus et de difficultés, mais on refait et on recommence si ça n'a pas été correct jusqu'au bout. Tu veux que je te dise un truc? Bah, j'aime mon métier aussi parce qu'il y a plein d'imprévus. Et aujourd'hui, l'imprévu 2023, c'était toi parce que ce n'était pas prévu. Merci Benjamin, voilà, là, merci tu nous as fait un cadeau. Là, tu nous as fait un cadeau. Tellement heureux de travailler avec elle. Et on va vous faire des merveilles qu'elle nous fait. Et on va vous faire des gros plans de folie sur cette montre. Là, je peux vous dire que ça. Tu vas me faire un petit plaisir. Tu vas dire aux gens à la caméra, tu vas dire au revoir les toqués du tic-tac. Au revoir les toqués du tic-tac. Eh bien, vous voyez, une nouvelle fan, c'est absolument génial. Allez, à tout à l'heure. Benjamin, merci. Anita, super. Et voilà, micro-trottoir. On est devant Grand Seiko avec Laurent Picciotto, dit la Pitch. Et je n'hésite pas à dire ça parce que je sais que lui me donne des surnoms assez régulièrement. Donc, mais c'est surtout le spécialiste de toutes les montres atypiques. C'est le découvreur de marques. Et très souvent, les montres sont lancées. Faubourg Saint-Honoré ou Rue Saint-Honoré ? Rue Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré. Et après, elles arrivent dans les autres boutiques. Laurent, merci de nous faire l'honneur, l'avantage et le privilège de ce micro-trottoir.
et je te dédie la mission de nous parler du Carré des Horlogers. Bon, d'abord, c'est pas moi qui te donne les surnoms, c'est toi, parce que c'est Franck Sensé. Moi, c'est Laurent Santé. Ça va ? Bon. La santé est bonne. Toujours vrai. On est à fond. On a le cinquième stent, on est à fond la caisse. Carré des Horlogers ? Carré des Horlogers, bah, c'est ta spécialité. Bon, récence, évidemment. Cette année, c'est une année où je mettrai en tête de liste chez Récence la type 3 couleur chlorophylle. Donc de l'huile et des aimants, tout ce que l'horlogerie adore. Donc toujours disruptif, mais ça marche. C'est d'une lecture très atypique parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de verre. On a toujours envie de toucher le cadran comme les premiers Blackberry pour ceux qui étaient là au Moyen-Âge. Donc Récence toujours au top. Quelle autre marque ? Angelus. Angelus, fabricant de mouvements dans les années 50, qui est revenu sur le marché il y a une dizaine d'années et qui propose cette année des chronographes néo-rétro, je dirais, vraiment cool, tout en ayant toujours une approche ultra-technique. Donc, ils avaient commencé, quand ils ont relancé la maison, avec ce qu'on a appelé le tourbillon lumière, c'est-à-dire rectangulaire, juste le tourbillon qui dépasse de la manche de la chemise, la montre derrière. Et puis, c'est la maison sœur de Arnold Hanson. Arnold Hanson qui propose du tourbillon extra plat, pas aussi plat que Bulgari, bien entendu, mais plat quand même. Plat vachement quand même. Bon, Angelus, c'est aussi un très 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 bon grand cru classé de Saint-Émilion. On est très lifestyle et on aime bien ça avec Laurent, donc on était obligé de le caser. Puis je dis aussi bonjour à mes copains de l'Angelus. Et puis je profite, on est devant Grand Seiko. Grand Seiko, c'est chez toi. On dit un bonjour à Frédéric Bondou. Explique-nous ce que c'est que Grand Seiko. Dans l'inconscient collectif, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'horlogerie. Les plus férus savent qu'il y a Seiko, Grand Seiko et Crédor. Donc, on peut considérer que Grand Seiko, c'est la marque de niche de Seiko. Seiko, je ne vous donnerai pas les chiffres de production parce que les Japonais sont assez avares d'informations précises sur ce type de sujet. Mais c'est une marque que ma communauté aime bien, Seiko. On vient de faire une émission qui a beaucoup marché. Non, mais Seiko, c'est fantastique. Ça l'a toujours été. Ce sont des gens qui ont toujours investi en recherche et développement depuis bien plus longtemps que la Suisse, parfois. En revanche, Grand Seiko existe depuis 1960 avec une qualité hors pair. C'est-à-dire que tous les grands collectionneurs, à un moment, ils ont une Grand Seiko parce qu'ils savent que pour trouver un défaut sur une Grand Seiko, soit le mec s'est suicidé, celui qui l'a fabriqué, soit il n'y a pas. Et en général, il n'y a pas et il n'y a pas de suicide chez eux. Donc, sur Grand Seiko, il y a vraiment un boulevard en technique, en termes de fiabilité, de technique, de qualité de finition qui est irréprochable. Travail du métal. Travail du métal, travail du cadran, travail des index, où il faut vraiment regarder les obliques, le degré des index pour avoir la réflexion de la lumière, etc. Une capacité à faire des cadrans où vraiment, genre snowflake, vraiment, on a l'impression que c'est de la neige. La forêt de bouleau. Pour avoir été au Japon, toucher les cadrans au moment de la fabrication, à la fin, c'est plat. Le relief, il existe, mais dans notre tête, dans nos yeux, c'est magique. Cette année, chronographe automatique. J'ai rendez-vous là dans 5 minutes. Je vous en dirai plus après, mais pour avoir vu un petit bout de la conférence ce matin, c'est un chronographe d'exception qui va être, comme ils savent faire, à la japonaise, parfait. Je ne peux pas vous révéler tout, mais il va se passer des choses sur Crédor. Ce ne sera pas tout de suite, mais ça fait 6 ans que je discute avec Seiko et avec un héritage du plus grand designer qu'on ait eu en horlogerie, que s'il n'avait pas été là, on aurait tous des montres rondes avec un bracelet cuir. Je vous en dirai on voit bien de qui il s'agit. Hein. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Bon, super, et Carré des horlogers. Alors pourquoi carré des horlogers ? Est-ce que ça veut dire que les autres ne sont pas des horlogers ? Bah, le carré des horlogers, en fait, si tu veux, il y a encore pas si longtemps, 2-3 ans, quand le carré des horlogers a commencé à arriver ici, c'est-à-dire la majorité des marques indépendantes qui exposaient tous dans des chambres d'hôtel, dans des parkings, dans des restos, à droite à gauche, à Genève, alors que tu étais obligé de courir d'ici, en ville et partout. La majorité des indépendants qui ont eu le succès sont venus rejoindre le Watch and Wonders ou le Salon de Genève d'avant. Et c'était amusant d'ailleurs parce qu'à un moment donné, ça a permis à certains de mes clients de dire « Mais finalement,
carrière horloger, c'est la plupart tes copains, ceux que tu as choisis il y a 20 ans ou 10 ans. Donc, je suis bien content. Alors, le souci aujourd'hui, c'est que, enfin, ça, je ne sais pas, mais ils sont un peu moins nombreux qu'auparavant, parce que tout ça, c'est aussi des questions de politique des uns et des autres. Et de place dans le salon aussi. Et de place dans le salon. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vision, que je qualifierais d'un côté, des marques institutionnelles, qui étaient déjà dans le top 20 il y a 20 ans, qui sont toujours dans le top 20 aujourd'hui. Il y a quelques exceptions, mais on n'en parlera pas parce qu'elles ne sont pas là. Mais le carré des horlogers, c'est la génération des indépendants qui ont depuis 10-20 ans travaillé suffisamment pour avoir le succès qu'on leur connaît et se retrouver en compagnie des marques institutionnelles et toujours très regardées par les marques institutionnelles parce qu'ils inventent, ils font des choses. Ils ont l'audace aussi de leur jeunesse de pouvoir se permettre de faire des choses qui sortent un peu des codes. Bon, vous avez compris, il est intarissable, c'est Laurent Picciotto. Il faut aller absolument, absolument aller voir sa boutique rue Saint-Honoré. Qu'est-ce que tu as comme boutique à côté maintenant? Tu as ta boutique à toi et tu as quelle boutique de marque? Alors, après avoir eu deux marques institutionnelles de grande notoriété et de grande puissance, on est passé à ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire qu'on a ouvert avec MBNF, Maximilien Busser & France, le premier lab européen, où on a des pièces aussi dingues que Max, d'une technicité qui nous dépasse. Quand il y en a, parce qu'à mon avis, tu ne dois pas en avoir beaucoup. Oui, mais on est le premier lab, donc on se débrouille. On a quand même quelques montres à faire essayer, regarder. Certaines sont disponibles, d'autres sont à commander. Bon, vous avez compris, MBIF, ça se passe aussi chez Laurent Picciotto, juste à côté de sa boutique iconique. À bientôt. Bonjour les toqués du Tic Tac. Et regardez, là, je suis avec Frédéric et je vais vous dire un truc. C'est un grand abonné. Voilà. Et oui, on retrouve des abonnés aussi, ici, à Watch & Wonder. Et là, on va faire le carré des horlogers. Le carré des horlogers, c'est un petit peu les géotrouve-tout du salon. Alors venez, je vous emmène. Et on commence, évidemment, par Gauthier. Vous savez qu'on a un amour tout particulier pour la marque Trilob. Je vous emmène. Là, on est au carré des horlogers. Laurent Ferrier, les frères Grunfeld, Arnold Lesson, Angelus, Ressence, Chapek, Cyrus. Et là, on arrive chez Trilob. Un petit micro-trottoir devant chez Trilob avec le plus beau des journalistes, Hervé Gallet. Vous avez compris le plus beau, Hervé Gallet? Un petit jeu de mots. Non, micro-trottoir pour micro-journaliste, voilà. Oh non, tu n'es pas un micro-journaliste, tu es un méga-journaliste. Méga-journaliste qui va nous dire ce qu'il a aimé, déjà, dans tout ce qu'il a vu sur Watch & Wonders. Alors, il y a beaucoup de choses, mais déjà, je vais commencer parce que j'en sors. Là, Tudor 54. Mais j'ai un grand dilemme, brassière caoutchouc ou métal, mais juste le diamètre est fantastique, elle est très très belle. Sinon, évidemment, Rolex, Daytona avec le fond transparent. Ça fait des années que je me demandais pourquoi il n'y en avait pas. Ça y est, c'est fait. Donc c'est une vraie révolution, mine de rien, de voir le mouvement d'une Rolex. T'as vu mon post aujourd'hui que j'ai fait? J'ai liké. J'ai marqué révolte ou révolution? Eh bien, j'ai liké, justement. Et sinon, Reverso, Jaeger-LeCoultre, le tourbillon, le chrono. Voilà, c'est une pièce chère à mon cœur. C'était ma première belle montre. T'étais même pas né, tu vois. C'est ma première montre aussi. Hein. Bah voilà, mais toi, t'étais pas né quand je l'ai acheté la mienne. Voilà, et puis sinon, j'ai encore quelques jours pour voir d'autres merveilles. On a Trilob qui est juste derrière, mais ça, je les verrai un peu plus tard. Mais je sais que c'est une très belle pièce. Et ben justement, là, nous, chez Trilob, on y va. Et ben, à plus tard, vous nous suivez? Et nous voilà chez Trilob. Je l'ai réveillé. Salut Franck. Salut. Alors, on est entouré de merveilles. Hein, regardez. Dans le ring des merveilles. Dans le ring des merveilles, formidable. Et tu portes au poignet, j'ai pas mes lunettes de soleil. Quelqu'un a des lunettes de soleil? Non, je plaisante. Tu portes la nouvelle Certi. Alors là, il va falloir quand même que tu nous dises d'où sort cet ovni. Et comment tu as fait et quels ont été les emmerdements que tu as eus pour sortir ça? Zéro, très facile. Je te crois pas. Ouais, ouais. On a un petit ovni, effectivement, de nouveau sur le poignet, là, avec une montre full baguette. On a pris notre collection sortie l'année dernière, une folle journée, avec ces anneaux explosés dans l'espace. Et on est venu sortir ces trois anneaux de diamants baguettes. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Parce qu'on a besoin... On s'en doute, parce qu'en plus, le poids et tout ça... Voilà. Et le poids est clé là-dedans. Normalement, on utilise du titane, qui est déjà quasiment ce qu'on fait plus léger comme,
comme métal. Titane et diamant, ça aurait été trop lourd. Donc on a un alliage magnésium-silicium-aluminium qu'on vient sertir, qui est deux fois plus léger que le titane. Ça a l'avantage d'être très léger, mais c'est une folie absolue à sertir parce que tu mets 15-20 fois plus de temps à le sertir. Il y a un côté très élastique. Et donc tu as un problème de rigidité ? Voilà, sans mauvais jeu de mots. Oh, bah voilà, et voilà. Et c'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'il en sort toujours une. Hein, une seule, en tout cas. Et ici, on a des centaines d'heures de sertissage, pour le coup, pour avoir quelque chose qui fonctionne. Et une fois que ça tient, c'est peint à la main par un peintre miniaturiste qui est à Lyon, qui s'appelle Philippe, et qui fait un travail exceptionnel, et qui donne une pièce qui est, ça indique l'heure, mais c'est, je pense, une petite œuvre d'art avant tout. Tu peux l'enlever pour me la montrer ? On va regarder ça de plus près. Arrête, hein. Arrête, je sais que tu allais dire une bêtise, ne le dis pas. Elle est juste magnifique. Alors, des petits secrets pour la communauté. Bientôt un sertissage avec des diamants de couleur, bientôt un rainbow, parce que maintenant que tu as la technique. Oui, on travaille à d'autres, évidemment, d'autres projets. On a une autre version qui est sortie, qui est sur des ébauches, des ponts et des platines qui sont de couleur dune, qui est absolument magnifique. Et après, effectivement, il n'y a pas trop de limites. C'est vraiment de la haute joaillerie, donc on peut aller chercher des pierres de couleur, on peut aller chercher quelques autres folies horlogères et joaillères. Du coup, c'est une série limitée ou c'est, on va dire, une série spéciale limitée par le temps qu'il faut pour la faire ? Ouais, c'est une série rare. On a à peu près un an d'attente là-dessus. Donc, on ne la limite pas, mais elle est rare par de facto. Et là, j'ai vu tout à l'heure, tu avais un attroupement autour de toi sur cette pièce. Il y avait un peu gros succès sur cette montre ? Ouais, ça fonctionne bien. Ça nous positionne aussi comme une maison capable d'aller sur différents terrains. Et ça parle à pas mal de marchés. Donc, on a un très bon retour. Mais... Évidemment, pas d'exception à la règle. Quelle est la montre que tu portes ? Alors, je porte une autre nouveauté de cette année, qui est toujours cette collection Une Folle Journée, mais là, dans sa version dune, sable, en or rose, qui est très belle, je dois dire. Disons plus, hein, ça suffit pas là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On a changé pas mal de choses en termes de couleurs, parce qu'on a des ponts qui sont traités en PVD or rose, une boîte titane, et puis des anneaux qui sont d'un gris taupe très subtil, je dois dire. Est-ce que tu as fait des améliorations sur le calibre ou des choses où tu t'es aperçu qu'il y avait des petits soucis et que tu as amélioré sur l'édition 2023 ? Alors techniquement, à chaque relance de mouvement, on améliore toujours des petites choses, des petits éléments dans le train de rouage, tout ce qu'on peut voir et améliorer à chaque relance de prod. Tu upgrades avec l'expérience, quoi. Exactement, et c'est l'avantage d'avoir toujours cette même base de mouvement, c'est qu'on la fiabilise au fur et à mesure, on l'améliore de plus en plus. Cette montre-là, quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte deux fois par jour ? C'est mieux, oui. Vous avez vu, hein, il est abonné à ma chaîne et on dit au revoir. Les toquets du tic-tac. Et il est formidable. Allez, à bientôt. On n'est pas à Monza, on n'est pas à Monaco, on est à Watch and Wonders, mais il y a quand même une F1 sur le stand. Oui. Bon, là, je vous présente Alexandre Pesci. Je l'ai bien dit ? C'est parfait. C'est vrai ? Parfait, pour une fois. En général, je suis toujours à moitié écorché, mais là, c'était parfait. Et voilà, c'est pourquoi ? Parce que vous êtes sur une bonne chaîne et on fait une bonne émission. Et là, on est avec le CEO de Rébellion. Alors, Rébellion, déjà, tu vas nous expliquer d'où vient le nom ? Eh bien, écoutez, quand on cherchait un nom pour une marque de montre, je me suis dit que Rébellion, ça sonnait bien. Parce que justement, on voulait insuffler un esprit de rébellion, d'être rebelle, de faire un peu les choses différemment. Alors, être rebelle, ça ne veut pas être révolutionnaire. On n'a pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit, mais de faire les choses bien, mais autrement. Oui, mais enfin, tu nous fais quand même des montres de la mort qui tue, hein, avec... des trucs qui sont atypiques, qui sont exceptionnels. Et quand on la porte au poignet, on ne passe pas inaperçu. Alors oui, nos montres sont généralement assez grandes. J'ai toujours bien aimé les grosses montres. Donc on est parti sur des montres assez grosses, assez lourdes au début. Maintenant, on essaie de les faire en fibre de carbone forgée, qu'on usine nous-mêmes dans nos ateliers. Mais notre principe, c'est toujours d'avoir une montre assez grosse. Mais quand tu parles de fibre carbone forgée, c'est un peu issu de la F1. Il y a une sorte d'échange d'ingénierie avec les partenaires ? Alors oui, nous, j'ai toujours bien aimé les voitures. Hein, parce que les hommes, ils aiment bien quoi ? Les montres, les voitures. Stop ! Attention ! N'en dis pas plus. Je fais attention, il y a ma femme à côté. Donc, Oui, la mienne n'est pas là, mais c'est pareil. Non, alors je m'arrêterai aux voitures. Donc on aime bien les voitures. Et puis on a fait, au départ j'avais une écurie, on a fait les 24 heures du Mans pendant 13 ans.
On s'est arrêté en 2020, où on a fini deuxième au général derrière Toyota. Et puis récemment, ça fait 4 ans, j'ai commencé à faire le Dakar en tant que pilote. Donc je pilote au Dakar avec une Toyota. C'est quand même drôle de se battre pendant 13 ans contre Toyota. Et puis pour finir d'acheter une Toyota pour faire le Dakar. Mais ça se passe bien, donc je suis tout à fait content. Et puis effectivement, donc, pour revenir aux montres, on a toujours essayé d'établir un lien entre la voiture et la montre. Donc on utilise des matériaux qui sont issus de la Formule 1, comme le carbone, comme le caoutchouc pour les bracelets qui viennent des pneus et tout ça, le titane, enfin tous les matériaux assez légers pour essayer d'avoir une montre qui offre les mêmes performances qu'une Formule 1. Mais quand tu fais le Dakar, tu portes une Rébellion ? Alors malheureusement, je portais une Rébellion, mais depuis cette année, on n'a plus le droit de porter de montre pendant qu'on pilote, parce qu'il y a eu de la triche. Dans le passé, il y avait des gens qui avaient des montres connectées et tout ça, et qui pouvaient voir le parcours en avance, etc. Donc ils ont décidé d'empêcher les gens d'avoir une montre pendant qu'ils roulent au Dakar. Donc cette année, malheureusement, j'avais pas de montre. Par contre, on fait la montre, on a un accord avec le Dakar, donc un partenariat avec le Dakar. Donc on fait la montre officielle du Dakar. Je te souhaite qu'elle fasse aux enchères dans 20 ans le même prix que la Cartier Schech qui avait été faite à l'époque de Thierry Sabine. Oui, on verra bien, on verra. Eh bien, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Et là, la montre, tu vas quand même... Ah, voilà, parce que, évidemment. Hein ? Ah oui, elle est grande. Combien le diamètre ? Quelles sont les dimensions ? Il ne faut pas me demander exactement, mais c'est vrai que c'est assez gros. C'est assez gros parce qu'il y a 6 barillets. C'est une montre qui a 500 heures de réserve de marche. Et on a la même montre jusqu'à 1400 heures de réserve de marche. Donc, en fait, on peut recharger la montre, la met posée sur la table pendant quasiment 2 mois et la reprendre, elle tourne toujours. Donc on a le record du monde de la réserve de marche. Et s'il y a le record du monde de réserve de marche, c'est évidemment parce qu'il y a plusieurs barillets qui peuvent donner de l'énergie, emmagasiner de l'énergie et la distiller au fur et à mesure. Voilà, et puis ce qui différencie d'autres montres qui ont aussi des grandes réserves de marche, c'est qu'ici on a un levier intégré pour pouvoir recharger la montre. Donc on recharge la montre comme ceci. Et puis, on a un brevet qui permet un système qui permet de recharger les 6 barillets à la fois. Alors que les autres montres, en général, rechargent un barillet après l'autre. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et puis, en général, ils utilisent un accessoire extérieur comme une espèce de tournevis électrique pour pouvoir recharger. Mais ça prend très longtemps, très long. Puis, nous, on a justement un brevet pour avoir ce levier intégré à la boîte de la montre. Et avec ici à peu près une vingtaine de remontages. Seulement 20 ? Seulement une vingtaine. Je tiens 500 heures avec ce modèle-ci. Bon, écoutez, vous voyez pourquoi on est venu. D'abord, on a été attiré par la F1. Ensuite, c'est quand même une montre qui sort de l'ordinaire. Et le boîtier est en acier, en titane, il est en quoi ? Donc le mouvement en aluminium, le boîtier en titane. Et puis justement, c'est une ode un peu à l'endurance. Parce que cette montre, donc, comme elle tient 2 mois, elle est très endurante. Et puis comment on faisait les 24 heures du Mans, c'est un peu le lien qu'on a entre la course des 24 heures du Mans et cette montre. Écoutez, si ça, c'est pas une montre qui a un esprit rebelle, Alexandre, oui. Elle n'est pas rebelle, elle est belle. Elle est belle. Et rebelle. Et rebelle. Et voilà. Merci Alexandre de nous avoir accueillis. Et puis, écartons-nous pour voir cette F1. Stéphane, gros plan sur les logos. Et voilà, regardez où on est au bar. Au bar Laurent Ferrier. Pas avec Laurent, le père, mais dans la famille Ferrier, j'ai demandé le fils, bonne pioche. Et là, je suis avec Christian. Bonjour les toquets du tic-tac. Hey, il est bien, hein, franchement, il commence bien. Sa première interview avec nous, il commence bien. Alors, ce qui est intéressant de voir dans cette maison, d'abord, on est dans la très haute horlogerie. On est dans l'extrême, dans l'absolu horlogerie en termes de finition, en termes de chronométrie, en termes de boîte. Et en plus, Christian... Vas-y. Non, mais de toute façon, un mouvement, ça commence avec une idée. Ça commence une idée et ça commence toujours avec une idée qui ressemble à ça. Ben oui, qu'est-ce qu'on va afficher dans ce mouvement ? Puis ben, après, on discute un petit peu de jusqu'à quel point on veut aller loin dans le mouvement. Est-ce qu'on veut aller, on veut qu'il soit vraiment beau ? Est-ce qu'il veut qu'il rappelle une certaine horlogerie ? Et là, excuse-moi de t'interrompre, là, tu es dans la quintessence de l'heure, puisque tu as quand même heure, minute, petite, seconde. Donc on est dans la noblesse absolue, la pureté, l'épure même, je dirais. Et à l'intérieur, il y a un calibre d'exception, parce que si je suis venu ici, c'est pas par hasard, c'est parce que tout le monde m'a dit « Est-ce que tu as été chez Laurent Ferrier ?» Donc m'y voici,
Et là, on est là en train de parler de cette montre-là, Evergreen, qui est la nouveauté du salon. Mais après, on va finir, parce que Stéphane, il fera hop, un petit demi-tour et vous allez voir autre chose. Parle-nous de l'Evergreen. Alors, l'Evergreen, alors c'est pas tout à fait une nouvelle pièce. Hein. C'est notre second calibre. C'est, maintenant, il est devenu assez célèbre. C'est l'échappement naturel. C'est le micro-rotor à échappement naturel. C'est une pièce qui a vraiment une très grosse ADN hein, aujourd'hui chez Laurent Ferrier pour nos collectionneurs. Ici, on peut la voir dans une boîte square. Deuxième boîte de la famille Laurent Ferrier, après notre classique, une boîte ronde, très belle, dont on pourra parler aussi. Et non, cette année, elle arrive avec surtout une nouvelle couleur de cadran. Pareil, ce cadran, c'est l'ADN de cette micro-rotor, avec nos index très très fins sur tout le tour du cadran. Des gouttes d'eau effilées, on dirait. On a eu du mal à trouver un nom à ces jets, ces sagets, ces gouttes. Aujourd'hui, on a tous décidé que ce serait des gouttes, parce que ça ne pouvait pas être des larmes, tellement on est heureux. On peut pleurer de joie aussi devant une telle pièce. Non, vraiment, ça, c'est l'ADN très forte chez Laurent Ferrier. C'est notre micro-rotor, échappement naturel. Mais on arrive avec ce verre. On l'a encore changé. C'est un verre un petit peu particulier, assez... On dit que c'est une pièce, quand on la voit, très calme, très mature. Et si j'ai une bonne vision, on a l'acier dans la main, mais toi, t'as l'or au poignet. Oui, la combinaison sur de l'or rouge. Et là, on a en plus la boîte ronde, hein, si on voit bien la boîte square, une boîte de forme coussin, et ici notre classique qui est ronde. Et la combinaison rouge-vert, comme ça, ouais, ça, c'est un appel à la cheminée, au calme, au whisky, avec un cigare. Et il commence à me plaire, lui, hein, cigare, whisky. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu dis, je vais l'apporter qu'une seule fois, parce que tu es en production très limitée là-dessus. Limité, oui. Par nature, chez Laurent Ferrier, on a une petite production, 450 pièces, une centaine de pièces peu de chaque modèle. Je comprends pourquoi les collectionneurs s'arrachent, parce que quand on voit l'arrière et la façon dont c'est décoré, dont c'est fait, et regarde, il y a FX aussi, il a des... Viens avec nous. Allez, voilà. Comme toujours, voilà, il y a toujours les poteaux qui s'invitent dans les émissions. Viens avec nous, FX. Parce que en plus... Lui, évidemment, il adore. Ça, c'est le genre. Ça, c'est sa cam. Bon, allez, vas-y, parle-nous de Laurent Ferrier. Ah, Laurent Ferrier, vraiment, c'est vraiment pour moi une très belle marque. En très peu d'années, la marque a réussi à trouver sa place vraiment dans le segment de la haute horlogerie, au même niveau que Patek, Lange, Vacheron. J'en suis vraiment convaincu parce qu'il y a un style Laurent Ferrier, parce qu'il y a une démarche, et il y a une consistance et il y a vraiment une approche très harmonieuse des choses. C'est vrai qu'au départ, il y a eu beaucoup de montres habillées, c'est vrai, parce que c'était les galets, square, avec toujours des mouvements vraiment très très beaux sur des mouvements tourbillons, des mouvements à micro-rotor avec des très très belles finitions. Et c'est vraiment la plus grande réussite, je trouve, de Laurent Ferrier, c'est d'avoir sorti vraiment le tourbillon grand sport et cette démarche après de toutes les montres plus à caractère beaucoup plus sportif et polyvalent, sans dénaturer, je dirais, l'approche de la marque et tout en conservant justement l'offre sur l'autre segment habillé. Et je trouve que il y a eu cette préservation de l'équilibre de la collection et pour moi je suis vraiment particulièrement séduit. Et cette année j'aime beaucoup les cadrans verts à finition verticale et c'est vraiment un résultat qui est très beau à voir. Et moi il est intéressable lui, c'est un fan. Alors évidemment il a parlé du tourbillon au grand sport, on est un peu ennuyé parce que normalement on devait présenter que l'Evergreen, mais comme FX il parle de ça, évidemment on est obligé de regarder. Et donc c'est ça, c'est celle-ci. Et voilà, tourbillon grand sport. Alors Stéphane, là, il va faire un aller-retour, gauche-droite. Donc, tourbillon grand sport, moi, déjà, c'est une chose qui m'étonne, parce que pour moi, par définition, un tourbillon, sauf au poignet de Nadal avec Richard Mille, c'est pas sportif. Donc, pourquoi tourbillon grand sport? Explique-nous le nom. Ah bon, alors tourbillon grand sport, tourbillon c'est le calibre, grand sport c'est la gamme habillage, c'est la boîte, c'est nos boîtes sport en fait. Okay. Et donc celle-ci, on est parti sur le grand sport tourbillon. Une cage finalement, une fois le travail assemblé, décoré et de réglage, c'est quelque chose qui supporte très très bien les chocs, hein. C'est vraiment quelque chose de léger. Je prends par exemple une micromasse, un automatique, une masse en or, ça c'est... beaucoup plus dur au niveau des chocs, donc l'aspect sportif des choses. Une cage, en réalité,
elle est bien prise prisonnière dans ses Inca blocs comme ça. Donc ses rubis et toutes ces parties qui font office d'amortisseur. C'est quelque chose. Bah, de toute façon, c'est notre premier calibre. Et on a bien vu, elle a été éprouvée pendant une dizaine d'années. Elle s'est comportée juste magnifiquement. Mais on le savait déjà dès le départ. C'est vraiment à la conception que ça se fait. Même si ce n'était pas fait pour les chocs, on savait que ça supporterait très très bien les chocs de la vie courante, tout simplement. Après, je ne la donnerais pas forcément à Nadal, mais... Il est intarissable. S'il en veut une, c'est 2 ans d'attente, 3 peut-être. On verra. Pour lui, on verra. Il est intarissable, mais c'est normal, c'est un constructeur mouvement. Alors maintenant, évidemment, on ne vous donnera pas le prix de ces montres, puisque le prix, vous l'aurez, comme d'habitude, par l'article de Chloé dans MyWatch. La seule chose que je peux vous dire, peut-être elle coûte un bras. Ah, c'est, je te l'avais réservé pour la fin. Je te l'avais réservé pour la fin, celle-là. Hein, je t'avais dit que je t'en ferais une petite. Hein. Mais c'est pas faux. Mais toutes les montres, Laurent Ferrier et Christian le sait bien, quand elles sont arrêtées, elles vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour. Alors évidemment, Watch & Wonder, c'est aussi un endroit où on rencontre des abonnés, surtout quand on a une chaîne horlogère. Et là, on est au Lab. Et il y a 2 abonnés qui m'ont promis de me montrer un truc extraordinaire. On va aller voir ce que c'est. Alors, c'est quoi un peu hein? Vous montrez quoi, là? Comment salut, Franck. Moi, c'est Pierre-Amaury Antel. Et moi, c'est Pierre Coutaz. On est bon. Détoqués du TikTok. Vous êtes du TikTok ou du tic-tac, tu vois? Bon, du tic-tac. Alors voilà, il y a une bête qui bouge. Là, c'est notre petite créature. C'est du ferrofluide. Donc, on est en train de développer, en fait, un nouveau type de montre basé là-dessus. Donc, c'est notre prototype à grande échelle. Et en fait, l'objectif, ça va être de venir afficher l'heure avec cette substance. Ah, ça veut dire que tu vas mettre un magnétisme à l'intérieur, comme avec des petits aimants qui tournent, et ça va aller mettre la goutte, un peu comme une goutte de mercure qui se balade, ouais. Et qui va aller sigler l'heure. Exactement. À la différence près, où dans les horlogers traditionnels, on essaie d'éviter le magnétisme, nous, on a fait toute une culture autour de ça pour faire en sorte de le maîtriser et d'avoir une grande précision dans la façon dont on l'utilise. Donc ici, on a une bulle. Mais dans notre montre, ça va être miniaturisé et des éléments qui permettent de déplacer le liquide, il y en aura 300. Du coup, on pourra avoir des formes incroyables et on peut imaginer qu'il y aura un oiseau qui vole ou peut-être même n'importe quelle forme poétique qui vient dessiner l'heure. Ça veut dire que tu vas pouvoir même dessiner des chiffres et qui vont donner l'heure? Ça va être possible, ça? Ça va être possible aussi. En fait, on n'a aucune limite. Enfin, il n'y a pas de limite. C'est vraiment à partir du moment où on a la matrice et comme on peut l'avoir derrière aussi sur la vidéo, bah c'est le ferrofluide, il pourra être guidé n'importe où et du coup avoir un affichage digital, analogique, mais aussi un nouveau type d'affichage qu'on pourrait créer. Voilà, dernière émission, c'est la fin. Vous voyez, tout le monde s'en va. Nous, on est encore là parce que on essaye toujours de trouver un petit scoop à la fin. Viens là, toi. Regardez. Moi, c'est Alex avec un grand A. Il y a des beaux gosses qui sont là. Ce mec-là va faire partie du comité de sélection de la montre de l'année. Avec un grand honneur, c'est un grand honneur pour moi. Voilà, donc dernier jour, Watch & Wonder, nous, dernière émission. On finit quoi? Bon, on finit avec lui. Voilà. Est-ce qu'on allait boire un verre? Bon, bah, on y va. Allez, on y va. Même deux. Allez, viens.